Nathalie Didier, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ce morceau? Bah, c'est une bourrée traditionnelle qui s'appelle la bourrée de Royat. Bon, la bourrée, c'est pour faire danser? Donc, une composition très ancienne de Monsieur Tonin Troupel. Donc vous êtes très attaché à la tradition, à la culture auvergnate, c'est cela? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est la musique qu'on joue déjà parce qu'on aime ça, puis ensuite, parce que moi je pense que c'est très important de continuer à perpétuer les racines traditionnelles de notre musique auvergnate, quoi, parce que moi c'est ma culture. Comment devient-on musicienne et musicien traditionnel? Ah ben là, c'est de nombreuses rencontres, on va dire. Puis disons que mes parents, quand j'étais petit, écoutaient beaucoup de disques, on va dire, de musique auvergnate. Donc j'étais imprégné déjà depuis tout petit. Puis on a fait des rencontres après avec, d'abord des groupes folkloriques, plus des groupes, enfin des orchestres, tout ça. Puis le goût m'est venu donc, on va dire. Et le choix de cet instrument qui semble très difficile à jouer? Oui, bah oui, il y a du boulot quand même, mais voilà, c'est la sonorité qui me plaît. Enfin, il y a des possibilités. C'est une des cornemuses qui offre beaucoup de possibilités, variations, picotage, enfin tout. Ça ouvre plein de possibilités. Voilà. Donc. Puis le son, j'aime bien. Voilà. Vous faites de nombreux spectacles en France, en Europe. Oui. Est-ce que vous cherchez à créer de la nouveauté malgré le caractère traditionnel de vos compositions? Oui, évidemment, parce que moi je pense que c'est très important non seulement de perpétuer les traditions, mais aussi de leur apporter un esprit nouveau et un vent de fraîcheur, si on peut dire, pour apposer une petite patte quoi, personnelle, et puis aussi pour renouveler ce répertoire. Pour vous, l'Aubrac, c'est quoi? Pour moi, c'est mes racines. Et pour vous? Ah, moi aussi, oui, j'adore l'Aubrac depuis très longtemps, depuis tout petit, je jouais partout, par ici, avec plein de musiciens locaux d'ailleurs, et d'orchestre et tout, je connais très bien. Et... Donc là, vous êtes venu pour animer, mais habituellement, vous êtes là pour faire danser, principalement? Voilà, ça dépend, moi je fais un petit peu de tout, que ce soit comme Didier, que ce soit concert, donc comme on disait, en France ou à l'étranger, et en France, et bien, surtout des balles, des manifestations pour danser, voilà. Est-ce qu'on sait encore danser la bourrée? Bien sûr. Vous-même, vous savez jouer des deux instruments? Oui. Lequel vous préférez? Moi j'ai un petit penchant pour la cabrette, mais j'aime bien l'accordéon quand même. Et quel est le plus difficile? Ça dépend ce qu'on joue. Et est-ce que c'est l'instrument et la musique qu'il faut vraiment pour faire courir demain? Pourquoi pas, il faut essayer. Pour donner le bon rythme. Hein. Oui. Alors, oui, des rythmes, il y en a plusieurs, alors, donc on peut s'adapter. Voilà, vous nous faites un petit rythme différent là maintenant? Oui. Allez, c'est parti.